Bonjour à toutes et à toutes, c'est Cage et bienvenue pour le 9e épisode de Metro Exodus. C'est parti! Trois mois sur la route. Trois mois d'épreuves incessantes. Mais après Yamantaou, on est prêt à affronter tout ce que le sort nous réserve. On n'est plus qu'à quelques kilomètres du centre de communication Caspienne 1. J'ignore si les cartes qu'il renferme nous permettront de trouver un coin sans radiation, où on pourra enfin vivre tranquillement. Il faut garder espoir, c'est tout ce qui nous reste. Le désert ne nous ménage pas. L'équipage meurt de chaud et de soif, et l'Aurora n'est pas au mieux. On n'a plus de charbon. On en est rendu à brûler tout ce qu'on trouve. Des vieilles traverses et des branches. Donc on s'était arrêté sur le train qui... comment dire? Qu'on s'était sorti du bunker de tous les cannibales. Non sans mal, hein, faut pas se mentir, hein, c'était pas non plus simple simple. Donc là on avait trouvé un... comment dire on était sur le désert avec... enfin on était en tout cas, moi, dans le désert. On a trouvé une des sortes de bandits qui aurait peut-être quelque chose qui nous permettrait de communiquer avec le monde. Petit aparté, oui, pendant 2 semaines je n'ai pas publié de vidéo pour la simple et bonne raison que ben on va dire l'IRL est prioritaire, voilà tout simplement. Mais bon, ça j'avais prévenu, donc c'est pas un souci. Mais là on va reprendre le rythme comme il faut tranquillement. Et on va essayer de finir aussi bien Metro et ce Division. Donc on va bombarder, enfin essayer de bombarder le mieux possible d'épisodes. Et ensuite, je pense, alors je ne sais pas, il faut voir, je pense partir sur, alors je l'ai vu, c'est Days Gone. Pourquoi pas le faire en, comment on appelle ça? Pourquoi pas le faire dès qu'il sort? Je crois qu'il sort fin avril, mais je sais plus la date. Étant donné que là, à l'heure où on tourne, on est déjà plus de mi-avril. Voir ce que ça va donner. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que j'ai le temps de parler, de faire mon speech, de dire s'il y a un truc qui va pas, de dire oui, il y a des gens qui ont vu les vidéos, des trucs comme ça. C'est génial. C'est vraiment un défaut, mais une très bonne qualité. Mais là, on est chaud là. Allez, là, on va reprendre Artium, etc. Ça fait quelques jours que j'ai pas joué, donc je vais être un peu rouillé. Enfin, rouillé, alors je tiens à préciser que c'est une excuse évidemment, puisque je suis un noob, je ne suis pas rouillé, hein, c'est la rouille entre guillemets fait que je calfeutre ma noobitude, ce qui est totalement faux. Je suis un grand noob, avec fierté évidemment. Non, je rigole. On va essayer de faire du mieux qu'on peut, évidemment. Allez. 28%? Eh ben dis donc, on n'est pas arrivé, hein. Allez, tu peux pas monter à 82, 87% d'un coup. Zoup! Voilà. Je pense que je vais couper au montage comme ça, je vous ferai pas attendre. Parce que là, ça devient un peu beaucoup. Un peu long. Je vais couper au montage tout ça. Ça va être rapide et vite fait. Ah, 47,55. Bon.
Quand tu veux, hein, le game. Ah. Allez, c'est parti. Let's go. Crest, t'as de résine, elle peut traquer le train? Je pense, mais très lentement et pas très longtemps. Le moteur est trop petit pour son poids. On a presque plus de gasoil. Donc, le but. Donc, il faut aller derrière ça. Oh, ok. Bon, ah bah oui. Descendre. Oui, je me souviens que l'équipage était assez Si on affaibli, tout avait ça, assez de etc. gasoil, on n'aurait pas besoin de tracter l'Aurora. C'est pas faux. Comment ça? Sa chaudière a été trop bien tirée au charbon, mais Hello, comment s'y Duke. installer à un vêtement haute température et Qu'est-ce que éligible? c'est? C'est quoi tout ça? Je sais pas ce que c'est. Bon. On verra ça plus tard. Alors. Nous on a quoi? Ah ouais, mais on n'a plus rien. On a vraiment plus rien. Au niveau munitions, on est vraiment plus que faiblard. Hein. Ouais, 4 balles de... Enfin, 4 cartouches. Aucune balle dans la mitrailleuse. Et 9 balles dans la... Comment elle s'appelle? On va allumer, hein, parce que moi-même je vois rien. Et 9 balles dans la... dans le piste... dans le... Comment dire? Dans le flingue pneumatique. C'est sûr que c'est pas... Ouais, c'est pas ouf, hein. Oh, le soleil tape sévère aujourd'hui. Ah bah oui, j'ai remarqué ça. Tu pars en mission? Alors regarde ça. C'est quelque chose que je viens juste de terminer. Oh, alors. Quelques balles d'Etikar et je les ai remplies d'explosifs. Voilà, ça te fait des munitions explosives. Ouvrez l'inventaire d'armes et appuyez sur L1. Tu peux les faire toi-même, ça c'est simple. Ok, pas de problème, moi je les ferai. Allez, let's go. C'est pas l'idiot lui? Non, je sais plus. Oula! Tu trembles, mon ami? Bon, ben, on va dire que j'ai des munitions un petit peu. Pour le fusiticard. Putain, il est magnifique quand même. Hein. Putain. Ah, mon regret, c'est que je peux pas l'utiliser sur. Je peux pas. J'ai pas le, comment dire, le PC pour, parce que c'est sûr et certain que je pense que, oula, que j'aurais essayé, pourquoi pas, de me le prendre sur PC si j'avais un PC qui était capable de tenir. Ça aurait été magnifique, quoi. Bon. Ok. Dans ce wagon, très clairement, on est en terrain hostile. Hein. Pas pour faire de jeu de mots ou quoi que ce soit, mais voilà, des cartouches, parfait. On va aller dans les wagons. Super. Il manquait plus que ça, une tempête de sable. On peut pas aller dans un wagon? Non. C'est un train qui a déraillé, ça c'est sûr. Merci Captain Obvious. Attends, c'est quoi déjà? C'est important de monter. Alors, on doit aller où? On est sur la bonne route. Alors, je récupérais des balles. Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est, un zombie? Alors. J'entends encore hein, des zombies. Hein. Voilà, sauvegarde. Enfin, un point en tout cas. Ça a l'air d'être des balles de snipe. Intéressant. Oula. C'est un snipe. Oula. Oula, 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 qu'est-ce que j'ai... Mais non. Mais what? Mais qu'est-ce qui se passe? Merde, j'ai plus de soins. Oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce qui... Oh, j'ai fait de la merde. Oh, moi, je suis quand même un thug. Hein. Je fais des soins juste à côté d'un zombie, tout va bien. J'ai brûlé le cul. Bon, c'était la partie noob. Mais en fait, je sais pas, j'ai tiré, mais ça... Je sais pas si ça a bugué. Enfin, c'était ultra chelou, en fait, ce qui s'est passé. Bon, bah, j'ai un snipe, mais j'ai pas de balle. Alors, ça va pas m'aider. Mais non, je me suis pas coincé. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est ça, je m'étais coincé. Alors. Il faudrait voir est-ce que j'ai une lunette. Beaucoup plus intéressant. Voilà les lunettes. Bon, par contre, deux jours ça sert à rien. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Attends, j'ai... Oh putain, j'ai que le pistolet ticard là, enfin le fusil ticard. Je le sens pas, hein, parce que là avec 6 balles et un truc de snipe, j'ai intérêt d'être ultra discret. Hein. Plus des zombies en plus. J'aurais juré avoir du monde là-haut.
Oh, c'est par contre. Oh, c'est. Oh. Ça pue. Par contre, il y a des coups de frise assez violents. Donc ici, ça sert à rien de passer. Voilà, dégage. C'est la tempête qui m'a fait flipper sa mère, quoi. Non, je pensais réellement qu'il y avait quelqu'un en fait qui était derrière moi. Mais pas du tout. C'est un endroit à monter. Ah, j'ai trouvé. Ah, il y a des petits coups de lag, hein. Enfin, lag. Pas vraiment de lag, hein, c'est. Coup de lag, je sais pas, de la latence bizarre des coups de lag. Bon, bref, je suis pas arrivé, hein. Alors, le snipe, c'est vraiment une balle, hein. Ok. Alors, donc c'est ah, c'est juste à côté. Éteignons la lumière. Ça souffle. C'est bien ici, hein. Cool, le fusil à pompe parfait. Parce que j'utilisais des balles inutiles, enfin des cartouches inutilement. Je sais pas, soit j'ai un truc que j'ai totalement zappé. Je pense qu'il faut continuer, non? Non, c'est bien dans cette direction. Ok, je vois. Ok, donc il faut passer par derrière, je pense. Soit on va se faire sniper, soit il y a un truc qui va se passer. Ok. Donc c'est bien ce que je pensais. On va affronter les bandits là-bas. Grosso modo, on devrait se casser. Pas faire de bruit pour éviter de réveiller des animaux chelous ou d'attirer les charognards. Parce qu'on n'a pas 18 millions de balles. C'est ça. C'est ça.
Y a quelqu'un dedans ou pas? Oui, un train est revenu, est arrivé, oui. Ouais, faudrait peut-être rentrer en fait, parce que là je suis en train de crever. Je me suis touché par quoi, moi? Oh putain. Merci, reste à terre. C'est bien marrant, Artyom, mais je n'ai plus de balles. Après, je vais lui foutre un coup de snipe. J'ai encore. Bon. Ah non, quoi que j'ai encore des cocktails aussi. Dis-moi qu'il a des balles. Et... Allez, 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 non, non, non. Voilà. Bastos, bastos. Non, je l'ai pas tué. Attends, attends, attends. Oui, je suis là, attends. 2 minutes. Soit je lâche mon fusil à pompe, soit... Et... Je l'ai pas tué, hein. Après, j'ai appuyé sur... Oh merde. Bon, tu sais quoi? Mais prends la... Bah voilà. J'ai plus rien, bordel. Cassos! Coupe le fil. Non, on peut pas s'en aller, on fait comment? Run, 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 run. Oui, t'as pas le choix. Hein, allez, on y go, on run. Oh. Allez, allez, allez. Il faut lui dans la tête. Allez, fuse. On n'a plus de mouvement, on n'a plus rien. Te voilà. Tu veux que je t'aide à te désensabler? Putain, c'était chaud. Hein. Bon.
J'imagine qu'on pourra pas discuter avec les propriétaires de ce fourgon. Dommage qu'ils soient si timides. Si t'avais un fourgon comme celui-là, moi non plus, je voudrais pas l'abandonner. Par cette chaleur, conduire au marché, le choix est vite fait. Ce qui me fait penser que tu vas pouvoir t'entraîner à la conduite. Pendant que tu jouais dans le sable, j'ai localisé des antennes. Le centre de communication ne doit pas être bien loin. Je crois que c'est près de ce phare. Tu devrais t'y rendre. Il est tellement immense que tu pourras pas le rater. Ouais, enfin, j'ai pas de mune, j'ai rien. Pour effectuer des relevés sur la zone, je te rejoins dès que j'ai terminé. À plus tard. Mais il est marrant, lui. J'y vais pas sans mine, bro. Je vais retourner au train. Et on va s'arrêter ici. L'épisode est plutôt court. Je vais essayer de faire assez court maintenant. Un peu le retour des charognards. L'ambiance est toujours aussi prenante, hein, y a pas de problème. Hein. Tu te sens pas en sécurité. Hein. Et quand t'as plus de balles, bah t'es vraiment dans la merde. J'ai failli mourir comme un débile pour récupérer le snipe. Là j'ai récupéré un pistolet mitrailleur, je pense. Ok, l'heure horaire retour, je vais aller faire des balles. Enfin des balles, des munitions plutôt. Moi je pensais qu'ils étaient pleins, mais au final non. T'avais un mec qui était. Je sais pas comment il a réussi à survivre hein, d'ailleurs. Allez, c'est bien. Pas de nouvelles d'Anna. Je n'ai pas entendu parler de la journée. Oncle Artyom, tu sais pas ce qui s'est passé? Non. Je suis entré dans une pièce et il y avait des squelettes. Ils faisaient trop peur. Joue avec ton jouet. Et puis c'est tout. Je peux plus rentrer dans le roi? Je peux y aller quand même, non? Ok, là ils sont prêts. Bah je sais bien, mais je voudrais, en fait, je voudrais rentrer dans le train, dans l'Aurora, pour faire des mines. Ça pourrait être cool, non? Alors, l'Aurora, il doit avoir une échelle, une connerie, non? Parce que c'est pas avec deux balles que je vais faire grand chose, hein. Salut Artyom. Ah, ok. Oh, me dis pas qu'Anna est retournée dans de la merde. Pourquoi t'étais injoignable, Anna? Ah, t'as dû te replier. Mais qu'est-ce qui t'a pris de les approcher? Artyom, merci d'être passé voir les gars. Tu dois rester discret. Je répète, ta mission se résume à les observer. C'est compris? Je me vois avoir toutes les demi-heures. Terminé. Tu vois, là, je suis d'accord avec Papy, hein, par contre. Alors, attends. Wouah!
Ouais, bah les incendiaires, on va pas les faire tout de suite, hein. Voilà, on va faire ça. Son peut le trans Finistus, fusil à pompe. C'est un fusil à pompe? Oh, mais il fallait le dire. Moi, je pensais que c'était un. Il avait la gueule d'un. Enfin, il ressemblait à un P90. Pas un P90. Un P... une PP. PP90. Mais ça change tout. Bah écoute, on va faire des balles de pompe. On va voir si c'était vraiment ça. Bon, là, j'ai plus. Niveau soin, ça va. Bon, bah je pensais que j'avais perdu mon pompe. Bah, au final, non. De ce que j'ai compris, non. Bah, parfait. Comment ça va, Yosha? Qu'est-ce que tu dirais de faire une petite pause à l'entrée? Ok. Nice. Le snipe, j'ai récupéré. Et. Ah, j'aurais peut-être dû faire. Attends. Je vais peut-être aller refaire Donc des c'est vrai balles que tu te de. garde aujourd'hui. Tu perds ton temps à essayer de bien parler. Alors. Ouais, je l'ai critiqué le fusil pneumatique, mais au final, en version enflammée, il est. Avec les balles incendiaires, Comment il est ça, fou. sale? Mais il coûte beaucoup trop cher pour ça. Il faudrait vraiment que j'ai beaucoup d'avance et beaucoup de choses d'avance pour pouvoir m'en faire. Mais bon, finalement, il est pas mal. Il est vraiment là de secours. Il m'a bien aidé. Bon, les amis, bah, je pense qu'on va se quitter. On va s'arrêter ici. C'était le 9e épisode de. J'ai oublié le nom, magnifique. C'était le 9e épisode de Metro Exodus. Donc, le premier dans le désert. Donc on a récupéré ce petit snipe et ce fusil à pompe à 3 munitions. C'était Cage. Merci de m'avoir suivi. Bisous. Bye.